qu'on avait exprimé depuis le début, hein, c'est de pouvoir maintenir la vitesse à 90 km/h, parce qu'on considère que ça n'a pas d'effet positif sur le nombre d'accidents et la mortalité, qu'il y a d'autres mesures qui sont beaucoup plus efficaces, hein, notamment supprimer les obstacles sur les côtés, créer des routes plus sûres. Donc c'est ce qu'on fait. Donc si on peut rétablir à 90 km/h, on le fera. Maintenant, on sait qu'on ne pourra peut-être pas le faire entièrement. Je rappelle qu'il y a 5000 km de réseau. On verra point par point. Et selon aussi ce qu'il y aura dans ce décret et la latitude que l'on aura. Plutôt rapide, mais on a le temps de tout dire, ils nous laissent nous exprimer. Les sujets tabous aussi, ils en parlent, par exemple le salaire, qui est un sujet très tabou lors d'un entretien d'embauche. Alors déjà, il y a quelques prérequis qui vont être effectivement au niveau des langues, au niveau de la mobilité géographique. Et après, humainement, c'est des gens qui sont véritablement empathie, sens du service, qui sont ouverts et avec un côté festif, décalé, voilà, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux.